Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire de, des journalistes Campbell et puis avec des stars guinéennes. La famille, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de juger ces journalistes. Mais moi, je dis que ce n'est pas de sa faute. Et je m'explique pourquoi. Je dis que ce n'est pas de sa faute. Parce que, vous savez, dans son émission ce jeune homme il n'a pas en tout cas forcé quelqu'un à venir sur son plateau d'émission avant d'abord de venir dans une émission au fait on te on t'invite on t'invite tu peux soit accepter l'invitation ou bien décliner mais si tu décides en tout cas d'accepter l'invitation et venir sur un plateau télé il faut s'apprêter à tout. Parce que déjà, surtout, tu as vu beaucoup d'exemples avec d'autres personnes qui sont passées dans son émission. Vous avez vu ce qui s'est passé avec euh, ces gens. Et si toi aussi, tu décides en tout cas de venir, euh, en tout cas participer à son émission, il faut s'attendre à tout. Et c'est ça qui est arrivé eh, à notre sœur, Diekouria Fanta. Eh, vous avez tous vu ce qui s'est passé entre elle et, et Campbell. Quand Campbell lui a posé la question concernant eh, une plainte, une plainte qu'elle aurait en tout cas portée contre son mari, qui est Didier, Didier, Didier Isco, vous savez, Didier Isco aussi, c'est un artiste. D'abord, ils ont commencé par la carrière de ce dernier. Quand Campbell dit que Didier Isco, en tout cas, il n'a pas percé dans la musique parce qu'il n'est pas du tout bien, selon euh, le journaliste. D'abord, la tension a commencé à monter par là. Ensuite, le journaliste et, commence à rentrer dans la vie privée de, de, de l'artiste en lui posant cette question, comme quoi il aurait appris que eh, Gecoria Fanta a porté plainte contre son mari. Le journaliste demande alors à l'artiste qu'est-ce qui serait passé entre, euh, entre les deux. Alors, l'artiste s'est énervé, on a tous vu euh, sa réaction après cette question. Alors, les gens s'attaquent euh, à Campbell et d'autres aussi disent que ce dernier fait bien son boulot. Je suis parmi ces gens-là parce que moi, vu tout ce que j'ai vu ce journaliste en train de faire, si je sais que j'ai des choses à cacher, parce que... Concernant la vie privée, tout le monde a une vie privée. Mais si j'ai vu déjà ce qui s'est passé avec d'autres personnes, je n'ai rien à foutre sur son plateau d'émission. S'il arrivait à m'inviter, j'allais toujours décliner. Parce que vous avez vu avec Fekani, ce qui s'est passé avec Fekani, on a vu avec ce qui s'est passé avec Yamasega. Avec Ankalabe et avec, Ankala Bé, et avec euh, la dame Legaba, on a vu beaucoup d'autres exemples avec d'autres stars de la musique guinéenne. Alors, si euh, la sœur Fanta a décidé d'aller sur son plateau télé, alors elle devait tout accepter parce que c'est elle-même qui a décidé d'aller. Et si elle ne voulait pas répondre à une question, pour moi, la plus simple, c'était décliner. S'il te pose une question, en tout cas, que vous ne voulez pas répondre, refusez de répondre, parce qu'il ne, ne va pas du tout vous obliger à répondre à ces questions. Il vous pose une question qui, qui ne vous plaît pas, déclinez. Et refuser de répondre. Mais si vous vous levez, il pose une question, vous vous levez, vous vous énervez, c'est vous-même qui êtes en train de vous ridiculiser devant le monde entier. Et ça, moi, je peux dire, ce pas la faute aux journalistes. Alors, ce que moi j'ai à dire, c'est que vous, les artistes, si Campbell vous invite, dans son émission. Déjà, regardez ce qui s'est déjà passé avec d'autres artistes. Et si vous êtes prêt à l'affronter, comme l'a fait déjà d'autres artistes, je peux donner ici l'exemple à King Salomon. King Salomon, il a affronté, et, et comment on appelle ça, il a affronté Campbell sur le plateau, et il s'est jamais énervé. Toutes les questions que ce dernier a posées à King Salman, même des questions qui fâchent, le gars, il a toujours arrivé à répondre. Et il a mis K.O. Campbell. Alors, faites comme ce dernier. Mais si vous savez que vous avez des choses à cacher, vous pouvez prendre exemple à Azaya. Azaya, Campbell a invité plusieurs fois l'artiste mais il a toujours refusé de répondre à l'invitation et vous pouvez pas encore dire que Campbell n'a jamais essayé d'inviter Jellybean tout aussi sur le plateau mais est-ce que vous avez vu cette dernière aussi dans l'émission de Campbell non alors qu'on arrête d'accuser Campbell c'est pas Campbell du tout en fait c'est les gens qui acceptent son invitation il ne faut jamais l'accuser. Ce que j'ai aussi à dire à ces journalistes Campbell, parce que je ne peux pas eh, juste parler pour les artistes, ces invités, mais je dois aussi parler à lui. Si il pose une question à son invité, une question que ce dernier ne veut pas répondre, il ne faut pas qu'il insiste faut pas qu'il insiste faut pas qu'il fait comme si il obligeait son invité à répondre à sa question parce que ce n'est pas du tout une obligation si la personne ne veut pas répondre à ta question alors passe à une autre mais lui aussi il essaie toujours en tout cas je sais pas si si c'est le but de l'émission, mais il essaie toujours d'énerver son invité. Ce qui n'est pas du tout normal. Et aux gens, en tout cas, qui parlent de lui. En fait, lui, il fait son investigation. Kabel fait son investigation. Déjà, il fait des recherches sur toi avant que tu arrives sur son plateau. Et le journaliste, il ne fait pas la différence entre les choses qui peuvent énerver son invité ou pas. Lui, il fait une émission, une émission à polémique. Il essaie toujours de choquer son invité. Alors, il ne faut pas qu'on l'accuse. C'est juste, c'est le but de l'émission. C'est une émission à polémique. C'est une émission qui rentre dans vos vies privées. C'est une émission si... Vous avez un tempérament. Vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est une émission qui vous pousse, en tout cas, à vous faire honnir devant le monde entier. C'est le but de l'émission. Et c'est qu'on vous a pas dit. Les gens n'acceptent plus si c'est Campbell qui invite. Mais maintenant, c'est son manager Bakayoko même, Bakayoko même qui appelle les gens à venir dans l'émission. Mais sinon, Campbell seul, il ne peut plus convaincre quelqu'un de venir sur son plateau d'émission. Alors, Campbell fait la même chose que et le feu Anaconda. L'émission de la Troie en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est une émission à polémique. C'est une émission, au fait, qui vous pousse, en tout cas, qui rentre dans vos vies privées, et la seule chose que vous devrez faire, c'est juste esquiver la question ou esquiver l'invitation. Parce que si vous acceptez ça, il ne va pas vous rater. Il ne va pas vous rater. Il fera tout pour rentrer dans vos vies privées. Parce qu'il fera des investigations pour découvrir tous vos secrets, en tout cas. Avant d'exposer ça aux yeux du monde entier. Alors, la famille, j'avais décidé de m'exprimer sur cette question de Campbell et à sa sortie tout dernièrement face à son invité, l'artiste Jecolia Fanta. Alors, c'est ça j'avais à vous dire. Vous n'êtes pas prêt à l'affronter, esquivez son invitation. Allez la famille, partagez cette vidéo au maximum.